Donc, notre périple au Maroc, arrivé à Marrakech, où on a passé 2 jours. Après, on a enfourché les vélos et on a pédalé jusqu'à Azni, une nuit à Azni, 2 nuits à Ouirgane, où on a eu notre première tajine, une nuit à Ijoukak, où on est resté dans un gîte d'étape El Majoub. Un gars très sympa. Le lendemain, 32 km de montée jusqu'au col Tizi N'Test. Le lendemain, descente grandiose. Vous pouvez voir ça sur le blog. Après, jusqu'à Taroudane, on a passé 2 jours là-bas. Ville sympathique et pas touristique. Après 2 jours, on a repris les vélos. J'aurais pas dû parce que j'étais malade. Alors, on est resté ici. On a passé une nuit, moi j'ai passé la nuit sur les chiottes. Après, le lendemain, on est allé à Aït Baha, j'étais malade. On a passé 3 jours là-bas pour essayer de me retaper un petit peu. C'est là où on a rencontré Thomas et son ami, comment il s'appelle? Kurt. Après 3 jours, encore malade, jusqu'ici, on a passé une nuit dans une espèce de petite auberge. Après Tafraout, on a décidé de passer 10 jours ici pour se remettre d'aplomb. Après ça, on est reparti. On est allé ici à l'oasis Aït Mansour. Après, on est reparti, camping sauvage ici. Hôtel miteux à Tigmi. Après, jusqu'à Agloo Plage, où finalement on se sentait mieux, on a repris notre appétit. Après, on est descendu jusqu'à Mirlaft. Après Sidi Ifni, on a rencontré Thomas, encore une fois. Et on a aussi rencontré un gars qui s'appelle Philippe, où on a tous les quatre, on a commencé à descendre vers le Sahara. Jusqu'ici, où il y a des bains thermales, des bains chauds et tout ça. Après, jusqu'à Guelmim. Et là, on a attaqué 130 km en une journée jusqu'à Tantan. Pour nous, c'est beaucoup. Après, on est allé à Tantan Plage, passé quelques jours, on est revenu. C'est là où on s'est fait balancer des pierres. Lire ça aussi dans le blog. Après, on a pris cette route isolée jusqu'à ici où on a fait du camping sauvage. On peut aussi voir ça sur le blog. Après, ici où il y a une série de stations-service où Thomas se sentait pas bien, donc on est resté une nuit. Après, on a continué, continué, continué jusqu'à Mara, on a passé 3 jours et puis là avec Michel on en avait un peu marre. Philippe est reparti vers la Mauritanie, Thomas est reparti vers l'Est et nous on a pris le bus jusqu'à Laayoune où on a pris quelques jours plus tard le bateau pour Las Palmas aux îles du Canaries.